Bonjour, nous sommes les Bonjour, frères Vital nous sommes Durand, je suis David. je suis Raphaël. Voilà, nous avons Nous la avons la chance chance de de co-réaliser des réaliser des films depuis films des années, des d'avoir années, pu tourner des d'avoir courts-métrages, tourné des des clips, courts-métrages, des pubs, des des clips, documentaires des dans le monde documentaires dans entier. le monde entier. Et aujourd'hui, Et un rêve se aujourd'hui, réalise, un nous rêve se allons tourner réalise. notre premier Nous long allons enfin métrage. tourner notre premier long Et métrage. Mon cœur transparent. L'histoire de ce film L'histoire de est ce assez film, simple. C'est c'est l'histoire simple. d'un homme qui perd sa L'histoire femme d'un dans homme des qui perd conditions sa femme mystérieuses. dans des conditions mystérieuses. C'est une première claque qu'il prend. Il est fou C'est une amoureux première de sa claque. femme. Il est fou amoureux de sa Et femme. elle meurt mystérieusement dans un accident de voiture. Mystérieusement dans son Mais accident. après, une deuxième dimension apparaît, Une c'est que deuxième le dimension jour où sa apparaît, femme meurt, que le jour toute où sa sa vie femme meurt, s'écroule. toute sa vie Sa s'écroule. femme devait partir à l'autre bout Elle du devait monde, on partir la à l'autre retrouve bout en du fait à monde, 30 km de chez lui dans un on lac. la retrouve Elle n'avait pas de parents, chez lui dans un et lac. ses parents Ses débarquent parents juste après sa mort. débarquent Elle ne voulait pas Elle ne voulait d'enfant, pas mais d'enfant. quelques jours plus tard, une Quelques jours agent plus tard, une immobilière agent arrive, immobilière arrive, racontant que cette femme visitait une maison avec des racontant chambres que d'enfants. cette femme Donc visitait c'est une cette maison avec des dimension un chambres peu d'enfants. surréaliste, comme un C'est cette cauchemar dimension éveillé, un peu qui nous a intéressés dans ce projet. surréaliste. C'est un peu un cauchemar éveillé. Et ce film, on le voudrait un petit peu comme ça, on le voudrait un petit peu étrange, on le voudrait Peu étrange comme profond, film, sincère. mais profond, sincère, Pas forcément violent, pas mais forcément violent, étrange. C'est-à-dire que étrange, c'est un peu comme un rêve, c'est comme un trip, comme un comme si on avait rêve, pris comme un des trip, cachets pendant des jours et des comme si jours on et prenait qu'on des cachets parte dans pendant des des. jours et des jours et qu'on Vraiment dans parte des rêves, quoi. dans des Et rêves. on aimerait que ce film soit un rêve. Nous avons développé ce projet depuis 3 ans avec Marc Andrani, que nous connaissons depuis plus de Marc 15 ans, Andrani. avec qui nous avons fait nos premiers courts-métrages. Avec qui nous avons fait nos Et on premiers cherchait tous les trois courts-métrages. ensemble un projet. On lui a On lui a proposé ce proposé livre, ce livre. qui avait là un double avantage d'être à la fois un film de suspense, Film de avec une suspense. intrigue assez forte, assez captivante, et aussi une dimension assez surréaliste, onirique, mystérieuse, qui correspond à l'univers de l'écrivain Véronique Ovaldé. Si aujourd'hui on fait appel au crowdfunding, c'est pour pouvoir parvenir à finaliser quelques séquences, quelques scènes du film, des séquences un peu compliquées à mettre en place, qui sont un accident de voiture, dont la voiture tombe dans un lac, avec des plans sous-marins d'une femme morte qui remonte à la surface. Nous sommes toujours dans un polar et nous avons besoin d'un petit peu de crowdfunding pour boucler ces séquences et les faire au mieux, au plus juste. Pour le film. Crowd, c'est qu'un D à la fin. Oui, parce que c'est la foule. Crowd. Crowdfunding. Crowd, avec un D. Ah, moi, je Crowdfunding. pensais que c'était chercher c'est des le corbeaux, corbeau, quoi. c'est le Moi, je corbeau, crois que c'était pour chercher des c'est corbeaux, le truc. Crowd, c'est la foule. Parce que c'est pour D'accord. les scènes avec les oiseaux.